jour. Alors, coucou mes choubidous, eh bien voilà, je vais à la fête d'Ivry parce qu'aujourd'hui c'est la fête à Ivry-sur-Seine, donc je voulais vous le faire partager. Et puis, donc je descends à pied à la fête. Alors, il faut savoir qu'il y a une grosse polémique, je vais vous le dire, hein, c'est qu'on a invité, le maire a invité Niska. Niska qui est un très grand rappeur, franchement il a des paroles crues, mais je pense que c'est plus urbain, c'est plus la réalité des choses. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui va violenter les femmes. Je crois que c'est le quotidien de sa vie qui fait que, et les paroles crues, mais je pense que c'est plus ça, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, hein. Même si les paroles sont inacceptables, c'est vrai. Mais si on les met dans le contexte, ben, c'est des paroles, quoi. C'est ce qu'il a vécu quand il était en cité, quoi. Voilà, donc moi, je comprends. Je peux comprendre, hein. Il va y avoir des tracts, mais je trouve que c'est très bien de mettre des tracts, non pas pour qu'ils ne chantent pas, mais tout simplement pour qu'on puisse comprendre qu'on ne peut pas faire des choses comme ça. On ne peut pas des paroles comme ça dans le rap, ça va, mais autrement, non. Si on les sort du contexte, c'est pas bon. Voilà, bah écoutez mes choubidous, sur ce, je vais y aller à la fête. Peut-être, j'ai plus de batterie, alors ça va être compliqué. Et je tenais à vous dire une chose. Tout d'abord, je vais vous faire gagner encore ce collier-là parce que je n'ai pas fait le concours, mais il faut absolument que je le fasse. Rappelez-le moi si je ne le fais pas. Et d'autre part, une chose hyper, hyper importante, c'est je pense que ma vie va changer. Ma vie va littéralement changer parce que mon fils s'en va. Il déménage. Il déménage le 2 juillet. Donc, du coup, moi, je vais réaménager toute ma vie. Donc ça va être un petit peu compliqué. Je ne sais pas si j'aurai internet. J'aurai internet de mon téléphone, oui, sûr. Sur mon téléphone, oui. Mais à la maison, je ne pense pas. Parce qu'il va falloir... c'est lui qui avait internet, donc ça va être très long. Voilà, je ne vous cache pas. Donc je pense que pour le moment, ma priorité... Mais je suis bidou, je vous aime, ça c'est clair. Mais ma priorité va être de m'installer bien. Je vous ferai un room tour quand ce sera fini. Voilà, et quoi vous dire, tout simplement que je tenais à vous dire ça, que ne vous inquiétez pas, et je ferai en sorte que, quel que soit le problème, si j'ai pas internet, je ferai en sorte quand même de faire une vidéo par semaine, pour le moment, d'accord. Et je tenais à vous dire aussi que ma priorité, écoutez, pour le moment, n'est pas Action, parce qu'Action, j'aime bien, mais Action, j'ai trop de choses, énormément de choses, même, je vous dirais, donc il faut que... il va falloir que j'épure un peu et je vais faire beaucoup de ménage chez moi. Je vais certainement vendre des choses. Voilà, parce que je veux épurer, je veux faire une maison zen. Parce qu'avec mon fils, j'avais plus un musée, c'était un musée. Donc voilà, donc comme c'est mon fils de 34 ans, je suis très contente qu'il ait un appartement maintenant. Voilà, je voulais vous dire ça tout simplement, que je ne ferai qu'une vidéo par semaine et que peut-être vous aurez du mal à... Je serai toujours joignable, en tout cas, sur Sybille Choubidou sur Instagram. Snapchat, c'est compliqué parce que ça me détruit mon téléphone, ça me le bloque. Mais les stories Snapchat, j'en ferai tout le temps. Donc déjà, si vous voulez me retrouver, allez sur Snapchat, allez sur Instagram. Parce que Instagram, je fais des stories régulièrement. Vous allez sur Instagram et là, vous m'aurez sans problème... Sybille Choubidou. Et je réponds aux commentaires. Mais si vous pouvez être avec moi, venez avec moi. Je vous dis, je ne vais pas avoir internet de suite. Voilà, un changement énorme va se passer dans ma vie. Bah oui, hein. Mon fils s'en va, il s'est attendu. Donc voilà, Sybille, la Choubidou, net, là, va se retrouver toute seule à aménager son appart, sa cuisine, tout. Je vais tout changer. Voilà, c'est pour ça, ma priorité. Pour le moment, si j'ai besoin, parce que à Action, je vais aller voir des petits trucs, j'irai. Mais c'est vrai que les décors, j'aime bien Maison du Monde, donc je fais attention aussi au niveau de l'argent. On va venir à Niska tout à l'heure. Ils auraient pu choisir une autre image, mais bon, voilà, c'est les deux. Et donc, j'étais là, ici, là, sur la scène. J'étais avec Ashwin and Fire parce que j'étais avec une journaliste. Oh, c'est pas vrai. Voilà les petites là. Il faut savoir que
savoir que c'est des amis en or, mais vraiment c'est ma famille de cœur. Je vous dis, le jour où il y a eu le séisme, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, alors que je connais personne d'Haïti. Et maintenant c'est ma famille d'adoption. Voilà. Vous connaissez l'histoire de la fontaine Wallace, là? Eh bien, je vais vous dire. L'histoire de la fontaine Wallace, c'est un millionnaire qui a décidé de mettre à tout le monde dans certaines villes des fontaines parce qu'il voulait que tout le monde ait de l'eau. Et du coup, c'est Wallace, alors ça s'appelait les fontaines Wallace. Et ce sont des fontaines magnifiques et sa générosité est exemplaire, quoi. C'est magnifique, je trouve. C'est sublime. C'est une machine. Ça se voit pas. Ancra haut. Prends le t-shirt. Retournez le t-shirt. D'accord. C'est de la sérigraphie, alors, vous voyez. Je vais le motif écrasé, là. Le motif est en dessous. Voilà. Voyez, on voit le motif. Effet. Le repasser. Il sèche avec quoi? C'est un décapeur thermique. Avec un décapeur thermique, voilà. Adorable. Voilà mes choubidous, je vous aime. Si ma vidéo vous a plu, ou une pouce si elle ne vous plaît pas. Prends garde à toi, abonnez-vous, likez, partagez. Abonnez-vous, likez et partagez. Et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Demain je mets une vidéo. Ah ouais, mais non, mais je sais pas quand est-ce que je vais mettre celle-là. Du coup, non, bah, j'ai rien dit. Parce qu'il va y avoir une vidéo action que j'ai pas faite encore. Un méga haut action. Mon dernier, je pense. Voilà. Voilà, bah, écoutez, je vous aime, hein, vous le savez. Hein. I love you. Bye.